Après l'annonce de la décision du juge du tribunal d'instance de Ziguinchor qui a donné une suite favorable à la requête d'Ousmane Sonko et ordonné sa réinscription sur les listes électorales, les militants et sympathisants du maire de Ziguinchor ont envahi les différentes artères de la ville pour exprimer leur satisfaction. Malgré leur manipulation, leur népotisme, la corruption, la dictatorielle, malgré tout ça, le juge a été direct. Le juge a suivi une véridique. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de montrer notre satisfaction. Le droit vient d'être dit au Sénégal. Nous souffrons vraiment d'un juge patriote, d'un juge intègre. Voici aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un juge intègre, un juge sénégalais. Contrairement aux juges qui ont la peau noire, mais qui se croient être des Français. Ces militants se disent déterminés à poursuivre le combat pour la libération de leur leader. Nous n'allons pas suivre Macky Sall sur le chemin du chaos. Nous savons très bien qu'il va mettre le pays dans le chaos. Et nous n'allons pas le suivre sur ce chemin. Même s'il veut, il n'a qu'à garder Ousmane Sonko à Sébi Kotan. Nous allons battre campagne pour lui. Nous allons l'élire comme président le 27 À Ziguinchor, cette décision du juge a été une surprise pour certains militants qui avaient perdu espoir.